Tu me dire à la fin pourquoi cette photographie? Ou plutôt, attends, non, c'est un dessin. Pourquoi ce dessin? Mais Bobby, tu vas peut-être me dire que tu vois pas ce qu'elle représente, Bobby? Mais oui, je vois bien ce que représente la photo ou le dessin, comme tu voudras. Ça représente, ça c'est la tour de Radio-Canada, c'est l'édifice de Radio-Canada. Exactement, Bobby. Bonjour les amis. Oh, pardon, bonjour mes tout petits. Vous voyez, une belle grosse bise. Vous avez vu ça? Hein? Vous avez, c'est un dessin, Bobinette. Je m'excuse, les amis. Je m'apprêtais à lui faire part de mes intentions. Figurez-vous que hier soir, j'ai entendu dire à la télévision que c'était cette semaine, qu'on inaugurait officiellement la maison de Radio-Canada. La voici. Parfaitement, c'est ça. Oui. Alors, vous voyez, ce sont les nouveaux studios qu'on a construits à Montréal. Ils sont très beaux, ils sont ultra modernes. C'est joli, hein, Bobinou? Oui, c'est très joli. Oui, la tour, elle est très, très belle. C'est très grand. Oui. Et c'est ça, ce sont des studios ultra-modernes. Les studios sont ultra-modernes, les amis. Ultra-modernes. Ah, oui, c'est ce qu'on dit. Oui. Alors, je me suis dit qu'à cette occasion, ça serait très, très bien qu'on en parle. Et c'est pour ça que j'ai installé ce dessin. C'est une bonne idée. C'est une excellente idée, Bobinette. Voilà. Oui, je ne le fais pas dire, Bobinou. Non, après tout, depuis le temps qu'on passe à l'antenne de Radio-Canada, c'est tout à fait normal, qu'on fasse un peu de publicité pour cette société vraiment progressive. Par exemple, on pourrait commencer par dire que... On pourrait dire que... Quoi donc, Bobinou? Que cet édifice offre de nombreux avantages. Justement, de nombreux avantages, les amis. Oui, entre autres, celui de regrouper tous les services. Tous les services? Oui, c'est ça. Quels services, tu sais ce que ça... Mais tous les services. Vous savez, mais tout petit, pour faire une émission de télévision, il faut beaucoup, beaucoup de monde. Il faut des réalisateurs, il faut des administrateurs, des techniciens. Des secrétaires. Et alors, ce qu'on a fait... Comment t'as pas peur? Non, mais oui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé tous ces gens-là. Autrement, t'as pas peur, c'est vrai, mais tout petit, leur bureau était aux quatre coins de la ville. Alors, ces gens-là avaient beaucoup de difficultés à communiquer entre eux. Mais là, maintenant, on les a tous regroupés dans un même édifice. C'est une très, très bonne idée. Très bonne idée. Oui, c'est une bonne idée, hein? Justement. Bon. Alors, comme ça, les réalisateurs, les secrétaires... Tu sais qu'il y a près... Il y a près de 3000 employés à Radio-Canada. Près de 3000 employés, Mais alors, on les a tous regroupés comme ça. Ernest, Bobinou, tu veux dire qu'il y a près de 3000 personnes dans cette bâtisse-là, dans cette grande tour-là et dans tous les studios? Exactement, il y a près de 3000 personnes dans cette bâtisse-là. Mais alors, ça ne va pas du tout, Bobinou. Comment ça, ça ne va pas du tout? Ça ne va pas du tout. Il faudrait qu'on les aperçoive aux fenêtres. Mais voyons, Bobinette, les employés de Radio-Canada ont autre chose à faire que se montrer aux fenêtres. Il faudrait qu'on les aperçoive aux fenêtres. 3000 employés, tu t'imagines ça, Bobinou? 3000 employés. Pas deux, pas trois. 3000 employés. D'accord, mais ils ont autre chose à faire qu'à se montrer aux fenêtres de l'édifice. Ah bon, je veux bien admettre qu'ils ont du travail, mais ça fait rien, Bobinou. Ça ne fait rien du tout. Non. 3000 employés, si on les a regroupés au nombre de 3000, il faut qu'on ait la preuve de leur présence. Ou si je sais bien ce que je vais faire, Bobinou. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire? T'en fais pas, Bobinou. Oui. J'en ai pour un petit instant. T'as qu'à regarder un petit film. Bon, entendu, parfait. Très bien, Télichino, fais-nous tourner un petit bout de film en attendant. D'accord? Oui, vas-y. Comme ça. Oui, qu'est-ce que c'est? Là, doucement, doucement avec ça. Non, 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 je t'assure, Bobino, il n'y a pas d'eau dedans. Il n'y a pas d'eau dedans? Non. Permets-moi de vérifier. Bon, il restait une petite goutte. Bon. Alors, voilà, qu'est-ce que tu veux faire avec cette poire à eau? Avec 3000 poires à eau comme celle-ci, ça devrait aller. Ça devrait aller. 3000 poires à eau comme celle-ci? Justement, Bobino, qu'est-ce que tu veux faire de ça? Qu'on va installer derrière ma photographie, là, devant mon dessin. Oui, ton dessin. De la nouvelle maison de Radio-Canada. Comme ça, on verra vraiment qu'on a regroupé à l'intérieur 3000 employés qui sont en train de travailler. Oh, ça paraît C'est une bonne idée, les amis. Oh là là, t'as pas peur. C'est une très bonne idée.
Oh, je t'assure. Mais oui, mais enfin, d'accord, une bonne idée. Oui. Mais si, je vais faire sortir des petits jets d'eau par toutes les fenêtres. Mmh. Ah, des petits jets d'eau qui vont sortir par toutes les fenêtres. Justement, Bobino. Il faudra pas que je me tienne là. Alors, tiens. À un certain étage, on pensera que c'est du jus de citron, vu que les réalisateurs se pressent toujours le citron quand ils préparent des émissions. Oh, ça, alors vous entendez ça, mes tout petits. Justement, à un autre étage, oui. On pensera que ce sont des gens qui sont en train de préparer une émission agricole sur les oignons et que c'est pour ça que ça les fait pleurer. Oh, enfin, je trouverais bien d'autres bonnes raisons pour installer mes 3000 poires à eau. Comme admettons, ça. Admettons en que les comptant, on saura vraiment qu'il y a 3000 employés à l'intérieur de la maison de Radio-Canada. En comptant les poires à eau, on saura qu'ils sont 3000. 3000. Oui, enfin, écoute, Bobinette. Admettons que ça fonctionne, ton idée. Là. Oui, Bobineau. Où vas-tu prendre 3000 poires à eau? Bien, je vais les prendre... Ah. Je vais les prendre... Comment, Gustave? Ah ouais, où est-ce que je vais les prendre? Ah, tu as besoin de moi à la cuisine. Bon, parfait. Excusez-moi, mes tout petits, j'en ai pour un petit moment à la cuisine. C'est Gustave qui a besoin de moi. D'accord, Bobineau. Oui. C'est vrai, ça les a mis. Où est-ce que je vais les prendre, les 3000? Peut-être que j'aurai pas assez d'argent pour les acheter. Oh! À moins que... Oh, j'ai peut-être une solution pour tout arranger. Télésino, je t'en prie, fais tourner quelque chose, tu veux? Hé, hey, Pouf, écoute un peu ça. Un OVNI a été vu. Un objet ressemblant à une soucoupe volante a été aperçu par des passants. La police est inondée d'appels téléphoniques. Hé, hey, Pouf, c'est quoi un OVNI? On dit pas un OVNI, abruti. On dit un OVNI, un objet volant non identifié. Le dernier des idiots, c'est ça? Ben, je suis un idiot qui le sait pas. Tu sais, c'est peut-être une vraie soucoupe volante véritable. Attends, tu vas voir. Si jamais elle vient par ici, je suis prêt. Oh, pauvre Ricky. Où as-tu pris ton costume de cow-boy spatial? Je l'ai gagné au concours du capitaine fusée. C'est moi qui avais écrit le meilleur poème. Tu veux l'entendre? Pas tellement. Je vais te le dire quand même. Pâle étoile du soir qui brille dans le ciel noir. Si tu vois le capitaine fusée, dis-lui qu'il est mon héros préféré. Eh ben, on aura tout vu. Le voilà poète. Et quand ils vont venir, ces vilains, avec leur soucoupe, je vais être prêt à les accueillir. Je vais les bombarder. Ça suffit, Ricky. Et range ton pistolet à eau, tu veux. Tout le monde sait que les soucoupes volantes, ça n'existe pas. Attention, chers auditeurs. Nous interrompons cette émission pour vous transmettre un bulletin spécial de nouvelles. Les rumeurs voulant qu'un objet volant non identifié ait été aperçu se sont révélées fausses. Il ne peut en aucun cas s'agir d'une soucoupe volante, comme certains l'ont prétendu. Les sources officielles affirment que les soucoupes volantes n'existent pas. T'as entendu ce que le monsieur a dit, Ricky? Les soucoupes volantes n'existent pas. Je ne voudrais pas te contredire, Pouf, mais ce n'est pas une bicyclette qui se promène dans le ciel pour l'instant. En fait, si je n'avais pas peur de faire rire de moi, je dirais que c'est une soucoupe volante. Ça a bien l'air d'un objet venu des galaxies. Ou sorti tout droit d'un cauchemar. Ouf! Et qu'est-ce que je vois? Des créatures venues d'une autre planète? Et ces étranges étrangers sont en train d'espionner notre monde. Qu'est-ce qu'ils cherchent au juste? Si j'en crois mon dictionnaire de langage interplanétaire, ces étrangers sont venus sur Terre chercher deux terriens typiques pour les ramener avec eux sur leur planète. Ils vont repartir, on dirait. Mais attendez! La soucoupe s'est immobilisée. Ils ont capté quelque chose sur leur écran. Et regardez bien quel est leur objectif. C'est bien ce que je craignais. Et ne t'inquiète pas, Pouf. Si jamais une de leurs soucoupes volantes vient par ici, tu vas voir. Je vais la désintégrer. Toi, de ces jours. Il s'est endormi comme un bébé. Pauvre Ricky. Ils croient vraiment tout ce qu'on raconte. Faites de beaux rêves, mes amis, pendant que la fatalité plane au-dessus de vous. Pire que tous les cauchemars. Oh, oh. Un puissant rayon vient d'être émis par la soucoupe. Oh non! Pauvre Ricky. Et pauvre Pouf. Kidnappés tous les deux. Je crois que Pouf et Ricky sont sur le point de quitter notre monde.
Où donc ce mystérieux vaisseau emporte-t-il nos amis et pourquoi? Nous le saurons bientôt en regardant Qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Bobineau, Bobineau, Bobineau! Oui, qu'est-ce qui se passe, Bobinette? Viens ici, Bobineau. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon idée. Tu as trouvé ton idée? Tiens, tu veux prendre ce papier? Oui, bien sûr, je vais prendre ce papier. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour qu'on sache vraiment qu'on a regroupé 3000 employés dans la nouvelle bâtisse de Radio-Canada. Ah bon. Au lieu d'utiliser ce dessin, oui, on va aller tourner un petit bout de film devant la vraie bâtisse. Qu'est-ce que tu racontes là? Justement. Alors toi, tu t'installeras devant la porte. Oui. Et tu chanteras ce que j'ai marqué sur le papier. Ah oui? Bon. Alors, oui, mais dis donc, Bobinette, si on le chantait ensemble. Oui, c'est une chanson sur la nouvelle maison de Radio-Canada. Oui, d'accord. C'est un petit essai. C'est sur l'air de « J'ai du bon tabac dans ma tabatière ». Ah bon, sur quelle note est-ce qu'on part? La. Parfait. Tapageur, tu nous accompagnes? Tapageur, tu peux nous accompagner. Bien sûr, bon. Tu peux nous accompagner si tu veux. Alors, bon. Un, deux, trois. C'est une maison qui a de l'allure. Permettez que pour vous, on l'inaugure. À l'intérieur, 3000 employés sont très heureux qu'on les ait regroupés. Dans quelques instants, à toutes les fenêtres, vous allez soudain les voir apparaître. C'est une jolie chanson, mais on les verra pas apparaître, Bobinette. Pardon, Bobinette? Les voir apparaître. Tu termines ta chanson en disant on va les voir apparaître. Vu que tu les dérangeras dans leur travail avec ta voix de poil à frire. Ma voix de poil à frire, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Parfaitement. Moi, je vais les déranger. Alors, ils surgiront à toutes les fenêtres pour te lancer sur la tête. Tu sais pas quoi, Bobinette? Non, je ne sais pas. Tu sais pas quoi? Non, pas du tout, je ne sais pas. Tu devines pas? Non, je ne devine pas du tout. Vas-y, tapageur, montre-le-lui. Là, doucement, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, par exemple. Non, tapageur. Pas. Oh, Pollux, je suis venue au bois joli pour t'aider à déménager ton piano et ton panier. Ah ben, ça tombe bien. Ah ben, mademoiselle Morgan, le déménagement de monsieur Pollux, il est en cours. Et je vous dis que ça... Mon cher petit train, si vous bougez tout le temps, je n'y arriverai jamais. Ah, voilà. Oh, aidez-moi. Voilà, nous arrivons. Ouf. Je ne sais pas si nous y arriverons. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Voilà, je dois déménager ce piano à panneaux et à poignées et ce panier. Ce qui est poignant, c'est qu'il rentre que le piano à panneau et à poignée, ou bien le panier, mais pas les deux ensemble. Il faut essayer à nouveau. C'est bien mon avis. Allons, courage. Comment procède-t-on? Je ne voudrais pas m'immiscer dans les affaires d'autres. Mais comme je suis responsable du transport, je me permets de donner un conseil. Ben c'est pas de revue. Ouvrez le panneau du piano à panneau et à poignée. Et mettez le panier à l'intérieur du piano à panneau et à poignée. Refermez le panneau du piano et voilà. Il n'y a pas à pinocher sur ce piano et ce panier, ça ne va pas. C'était une suggestion. Empoignons le panier. Ouvrons le panier. Par la poignée? Oui, la poignée du panier. Ça s'appelle une anse. Ah bon. On peut essayer de mettre dans ce panier le piano à panneau et à anse, hein? Non! Là, on dit poignée. Ah bon, alors, le piano à panneau et à poignée dans le panier. Voici le panier que j'empoigne par la poignée. Par l'anse. Ah, oui, alors attention, pianissimo, hein, pianissimo.
au panneau du piano, hein? Oh, je doute. Moi aussi, je dois dire que ça n'ira pas. Non, ça va pas. Essayons à nouveau de glisser le piano à poignée et à panneau dans le wagon. Attention, que le piano à poignée et à panneau n'abîme pas mon pignon. Oh, oui! Oh, non, restons calmes, hein? Alors, tenons bon le panneau et les poignées du piano, hein? De toute la force de mes poignées! Oh, tu as de la poigne, hein? Et voilà! Fermez le panneau. Quel panneau? Le panneau du piano à panneau et à poignée? Non, mon panneau à moi. Je ne veux pas m'enrhumer. Et voilà. Mais le panier que se tient toujours par les poignées. Non, les anses, mon cher. Mais oui, que faisons-nous du panier? J'ai une idée, cher train. Si tu faisais deux tours. Je dois dire que cette idée me trottait dans la chaudière. Mais deux tours, on voit bien que ce n'est pas vous qui direz. C'est vraiment dommage, Bobinette, parce que tu avais composé là une très, très, très jolie chanson. Tiens. Mais justement, c'est très joli. Oui, mais c'est dommage que ça ait fini par une avalanche de fruits comme ça qui me sont tombés sur la tête. Ben c'est oui. Vrai, si les amis veulent vraiment avoir la preuve qu'il y a 3000 employés à l'intérieur, oui. Ben ils auront juste à la visiter pour pouvoir les compter un par un. Oh, ça alors, mais j'ai l'impression, Bobinette, que se met... C'est beaucoup demandé aux tout-petits que de se mettre à compter comme ça les employés de Radio-Canada un c'est par un. C'est justement pour ça que c'est vraiment dommage. Ils n'en finiront pas. Ça aurait été beaucoup plus vite avec mon coup des 3000 fruits là, que je voulais que tu reçoives en une seule fois. Mais 3000 fruits, Bobinette, sur la tête, comme ça, tu te rends compte, c'est une avalanche de fruits. C'est des tonnes et des tonnes de fruits. 3000 fruits, ce qui prouve vraiment qu'il y a 3000 employés à la maison de Radio-Canada. Oh là là, non, j'aime mieux l'idée de ta petite chanson, tiens. C'est une maison qui a de l'allure. Permettez que pour vous, on l'inaugure. À l'intérieur, 3000 employés. Il faut dire au revoir aux tout petits, tiens. Au revoir, les amis, et vive la maison de Radio-Canada. Au revoir, les amis.